Côté mandat, yo te mette derrière la famille Vob. Dimitri Vob, Joël Vob, Pacha Vob. Alors, Jean-Marie Vob. Côté mandat ça. Qui ça fait? Qui ça dit? Qui suivi qui gagne? Ou quoi de mandat ça yo volatilisé? Eh bien, dans l'émission ça, mesdames, messieurs, nous allons faire un petit bat de bouche, nous allons faire un petit cause. Parce que les bagay, si nous parlons de projecteurs sous yo, ouais, pendant l'État haïtien a fait des marches pour dédommager la famille Vob, même l'État ça, il te met mandat derrière, famille ça, côté mandat ça. Ouais, Dimitri Vob t'a fait gros gorge, il t'a dit lui-même, il prêt. Depuis Yorel, il est prêt pour venir répondre à une question dans le cadre d'assassinat Jovenel Moïse. Côté Dimitri, côté mandat ça. Population capoise là, encore une fois, mardi 30 août 2022, yo manifesté, yo te prend la rue au Cap pour dénoncer la mauvaise gouvernance et pour te demander Ariel Henry bay talon. Plusieurs milliers moun te prend la rue dans l'émission ça nous va faire image yo. Comment ça te au Cap haïtien et population certainement li décider mesdames messieurs les îles pas bay vague. N'importe où prise plusieurs côtés te bloqué. Mardi 30 août 2022, toujours dans objectif pour protester contre rareté gaz, mauvaise gouvernance, la vie chère, marché noir qu'a fait en Haïti et profitement de Ariel Henry pour bay talon. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, monsieur transféré dossier plusieurs directeurs généraux, nous songez ULCC cité comme moun qui détournait l'argent de l'État. Et même monsieur, li transféré dossier ça dans le cabinet de destruction. Dans l'émission ça, nous allons attendre Jacques Lafontaine. Et Léon Charles, pas oublier Léon Charles. Non, monsieur, cité tout parmi directeurs généraux qui gagotaient, pillaient, dépatchaient l'argent de l'État. Monsieur, parlez dans le cas Léon Charles là. Et nous allons attendre, mesdames, messieurs. Qui ça, commissaire gouvernement, ça lui-même lui dit. Nous allons attendre qui ça, Jacques Lafontaine lui-même, lui était pensé. Un groupe citoyen a déposé une plainte dans le parquet contre Ariel Henry, contre Ebinu, contre un série de monde, contre communauté internationale, dans cadre ingérence à faire de pays a j'ai fourré bouche bien fond dans politique en Haïti. Dans l'émission ça encore une fois, on va faut tendez citoyen ça yo qui yo même t'a dénoncé assassinat à un collègue yo dans cadre manifestation qui était faite pendant le week-end. Dans l'émission ça, mesdames, messieurs, pour avoir plus de détails. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça qu'a fait, nous content ensemble avec vous. Ça fait un pile plaisir, nous entrer la caillou pour nous informer, informer. J'en nous toujours fait ça, j'en nous habitué à faire ça. C'est rôle nous, c'est devoir nous, et nous remplir devoir nous correctement. Et bien, ou même, ou avez devoir pas là tout pour remplir. Qui soit de faire? Partager, liker, commenter. Faire plus de monde accès à l'information, faire plus de monde possibilité pour rester connecté. Et puis, ou même si c'est pour la première fois, ou suivre ensemble avec nous, c'est pour la première fois, tomber sous channel ça. Channel là c'est Haïti Réflexion. Zami qui avec ou c'est Esdras Fizeme. Automatiquement tombe sous nous, ou pas gen deux bagay pour faire. Active cloche notification, fais ça kounya. Abonnez pour ka toujours être connecté et puis partager, liker, commenter. Rete connecté ensemble avec nous mesdames messieurs, pas déplacer n'a retourner nan yon badji. Côté mandat l'état te mette derrière la famille Vob là. Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Pacha Vob, tout moun sa yo, yo te fait objet de yon mandat. L'État Haïti te mette mandat de moun sa yo, nan kad enquête ki tap mene sou assassinat Jovenel Moïse. Kote mandat sa yo. Mandat yo volatilize. Mwen toujou ap dil, l'assassinat de Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, c'était un vaste complot. Un complot international, on ban nèg sous béton là, des journalistes, des leaders politiques, des influenceurs. Sous complot. Jovenel victime de un vaste complot. Moun li te kon ap combat. Moun li te kon ap goumen contre yo. L'État haïtien, automatiquement Jovenel mouri d'ailleurs, nous songe ça. Automatiquement Jovenel Moïse mouri. Yo te continue bay Dimitri l'argent yo. Kounya la, yo bay monsieur tout comme li yo. Donc la famille Vob 12 millions comme ça ou vini de kese, ça veut dire ajoune yo. Ajoune la famille Vob. Kounya, même l'état sa encore mené des marches. Tant coup,
Emmanuel Casseus, le directeur général de la DGI. Ils ont mené des démarches pour que l'État arrive à dédommager Dimitri Vob. Mais pendant tout ça, même l'État s'est mis au mandat derrière la famille Vob. Puis on a répondu à une question. Puis on a dit que ça connaît de l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, l'État n'a pas fait aucune démarche. Non? Bon, il faut attendre Stanley Luca. Stanley Luca qui t'a participé à l'émission. Parce que, pas oublier, monsieur, c'est un conseiller, ou bien ancien conseiller Jovenel Moïse. Et monsieur, pas j'aime suspendre l'onge, il doit être sur un série de monde qui parle de participation de monde dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous invitons à suivre, nous invitons à attendre, mesdames, messieurs, Stanley Luca. En ce qui a trait à l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, et vu la dimension du complot et les progrès au niveau institutionnel sont carrément paralysés, et tant au niveau national qu'au niveau international. Mais il faut dire que, à cause de la détermination du peuple haïtien, et pendant les derniers 14 mois, et qui a continué à lutter pour demander justice pour le président, et il y a énormément de progrès, peut-être dans l'informel au sein de la population. Aujourd'hui, on sait à 95% qui sont les gens, les secteurs impliqués dans l'assassinat du président. En Haïti, on dit dans le langage commun, la première catégorie, ce sont les Blancs impliqués dans l'assassinat du président. Donc, il faut aller regarder la compagnie CTU en Floride, qui a recruté les soldats colombiens. Il faut regarder les Colombiens qui ont participé, les soldats colombiens qui ont participé à ce crime. Il faut regarder deux bourgeois dominicains qui ont donné l'avion aux Colombiens qui ont quitté la République dominicaine vers Haïti. Et il faut, en regardant le tweet de John Joel Joseph, l'un des présumés assassins du président, le tweet qu'il a fait le 6 février 2021, où il a reçu l'ordre d'un fonctionnaire du département d'État pour commettre le crime. Quand on sait que le président Biden et le secrétaire d'État Blinken supportaient le président Jovenel Moïse jusqu'à la fin de son mandat le 7 février 2022, il faut se demander quel est le blanc qui est puissant, aussi puissant aux États-Unis, qui peut utiliser des fonctionnaires du département d'État, de la DIA et du FBI pour aller commettre un crime en Haïti. Il y a aussi Mme Lalim de la BINU, lorsqu'on lit le livre Zombie Files, écrit par l'agent spécial responsable des services de renseignement des Nations Unies en Haïti, quand on constate dans ce livre la capacité d'intelligence et de renseignement des Nations Unies en Haïti, il est impossible pour que Mme Nalim n'ait pas été au courant de la planification du crime. Donc la question dont on n'a pas encore la réponse, est-ce qu'elle a participé activement à l'assassinat du président ou bien est-ce qu'elle était au courant et a laissé faire? Ça, c'est au niveau des étrangers. Au niveau national, on a une idée très claire des oligarques qui ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse. D'ailleurs, la justice avait envoyé le 9 juillet 2021 des mandats pour Jean-Marie Vob, Dimitri Vob et Réginald Boulos pour leur implication dans l'assassinat du président. Ces mandats ont curieusement disparu. C'est ce qui montre et démontre encore une fois que le système judiciaire haïtien est sous le contrôle des oligarques corrompus. Et on a une idée très claire des politiciens impliqués dans le crime. Les politiciens de l'Unité, du parti Unité, vous connaissez ce parti-là qui a changé de nom plusieurs fois, l'Espoir, Unité, Vérité, et notamment le premier ministre Ariel Henry qui est de l'Unité, l'ancien sénateur John Joel Joseph qui est de l'Unité, Félix Badiou Joseph qui est dans l'Unité aussi. On sait que deux hauts responsables du PHTK ont participé au crime, l'ancien président Michel Martelly et son beau-frère Kiko Saint-Rémy, et le réseau du pasteur Dr Sanon et les infiltrations qui ont été opérées au Palais National, notamment aux unités spécialisées de la protection du président, l'USGPN, le CATSIM et l'USP, ainsi qu'au sein du commandement de la police nationale. Donc malgré les blocages institutionnels au niveau national, on a une idée très claire. Au niveau international,
ce blocage existe. Parce que dans ce blocage, est-ce que c'est l'implication de certains éléments de la BINU ou bien est-ce que c'est du racisme systémique? Parce que lorsque le premier ministre Rafik Hariri du Liban avait été tué par des soldats de la Syrie, les Nations Unies avaient mis en place un tribunal spécial pour enquêter et identifier les assassins du premier ministre du Liban, Rafik Hariri. 14 mois après, au niveau des Nations Unies, il n'y a pas la mise en place d'un tribunal spécial pour Haïti, malgré la requête formelle de la République d'Haïti à travers le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Claude Joseph. Et au sein de l'Organisation des États américains, ils n'ont pas non plus mis en place, à travers la Commission interaméricaine des droits de l'homme, une commission d'enquête. Est-ce que c'est l'implication des étrangers ou est-ce du racisme systémique? L'assassinat d'un président noir ou la vie d'un président noir n'a pas d'importance à leurs yeux. Est-ce que c'est ça la réalité? Donc c'est ce que je dirais d'entrer sur l'assassinat du président, malgré les blocages institutionnels au niveau interne et externe. Au sein de la population, on a une idée très claire à 95% après 14 mois qui a tué le président Jovenel Moïse. Et votre deuxième point? Bien entendu, j'ai oublié de mentionner les deux juges de la Cour de cassation impliqués dans ce crime, Yvickel Dabrésil et Wendell Kok. Côté juge Wendell Kok, côté Yvickel Dabrésil, côté Mounzaïo, juge Dabrésil, nous tous nous sommes impliqués dans nos affaires, et nous tous nous sommes impliqués dans nos affaires, juge Dabrésil, l'affaire de Petit Bois. Vous ne pouvez pas rien. Alors, moi-même, celle-là encore, vous comprenez. On complot fin fait pour assassiner un président. Ou bien, on dit plutôt, on complot ta fait, on complot côté que, yo t'a pral ba un président coup d'état. Mais mes amis, comme si vous pas qu'un suivi, fait pas qu'une arrestation, moun yo te arrêté, on la gué tout. Comme si tout moun yo te innocent. Comme si tout moun yo te arrêté dans quatre dossiers ça. Yo tout c'est des innocents, ouais. Seul Jovenel qui te coupable. Mais côté mandat ça, qui ça mandat ça fait? Ou pas qu'on comprenne non ça qu'on fait là? Qui ça mandat ça fait? Côté au fait? N'a yo prépassé moun nan bêtise? Yo nommé plusieurs juges. Nous étions sous 5. Et mandat juge ça fini. Ou pas t'en yen le dit ni fait? Monsieur! 3 mois! Parce que chaque juge d'instruction a une échéance 3 mois devant. 3 mois pour faire audition, 3 mois pour pousser enquête là, 3 mois pour avancer avec processus là. Après 3 mois, madame, monsieur fini. Qui soit de monsieur fait? Seulement, tout récemment, m'te wè gon, m'a koné non, on sort de simulation que t'es fait, m'te wè on est avec Dimitri Erard, yo t'ap transporté monsieur nos machines, yo dit monsieur t'a répondre une question. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Vous ne connaissez pas? Alors, l'instruction est secrète. Sur la base de l'instruction est secrète, vous ne connaissez rien qui a passé dans le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Là. L'État n'a pas dit rien. Mais même l'État, ça, l'a mené des marches pour dédommager. Moun encore qui t'a goumé contre le président. Moun qui probablement impliqué à fond dans la mort président. Ça veut dire l'État, il va même en mesure pour le rendre ancien président de justice. L'État n'a pas mené aucune démarche pour le faciliter ancien président. On a quitté servi un pays. On a quitté utile un pays. L'État n'a pas même en mesure non, pour le bal justice. Et l'État n'a pas aucune volonté non, pour le faciliter président sa jeune justice. Alors que l'État ça, l'a mené des démarches pour des particuliers, moun qui participaient dans la dilapidation des fonds, moun qui participaient dans la surfacturation. Ou est-ce que moun sa yo, l'État a mené bataille pour yo, ou est-ce que moun sa yo, l'État a goumé en faveur yo. Ya, yeah. Ou est-ce que vous prenez? Moun m'a demandé côté mandat sa yo. Et mais qui s'est passé? A ne pas oublier, cette équipe qui est au pouvoir, c'est l'équipe de Dimitri Vorb. C'est l'équipe de la famille Vorb. À ne pas oublier, go paquet de juges là. En dessous, j'ai le juge Ikenson et Dumé. Mounsa ou qui sa yoé, avocat Dimitri Vorb. Avocat la famille Vorb. C'est Mounsa ou kap mené des démarches. Kap entreprenne. C'est Mounsa ou kap entreprenne des démarches.
pour la famille Vob récupérer tout ça. L'État te saisi dans mes yo. Et l'État te saisi, c'est pas pour te faire abus. L'État te saisi parce que après mettre enquête, après des enquêtes, yo rive joine, c'est surfacturé, moun zot a surfacturé pendant des années. C'est yo qui t'a dû dédommager l'État, ou konza? C'est yo qui t'a dû payer l'État, oui, pour surfacturation. Mais ouais, c'est l'État qui d'accord payer yo. C'est l'État qui a dédommagé yo. Koun ya ki lè? Moun sa yo, y a dédommagé peuple haïtien yo même. Ou ka di m? Ki lè a dédommagé peuple haïtien? Pour crime yo commettre, pour ça yo fait. Pour diverses actions malhonnêtes yo posé contre peuple ça, pour que cette bataille yo mené contre peuple ça qui le nous gon oligarchie, nous gon bourgeoisie. C'est tout pisi, c'est maspiné, c'est tout founi ap tout founan nous. Manifestation obligé à faire tout côté. Tellement mesdames messieurs, nous gon cœur, nous pas kon côté cœur nous en sorti, nous gon série de moun qui gè kòp nan pays a. C'est eux même qui acceptent ou encore qui montent complot même pour mettre dans soi là situation ou faire face avec là. C'est eux même qui mettent là de nuit. C'est eux qui contrôle gaz, yo stocke gaz là côté pa yo. Yo pa mettre gaz dans pompe encore. Le camion aller dans terminal yo. Yo pa aller dans pompe yo. Camion saute dans terminal là, li pa aller, li pa fait direction pompe yo. C'est nèg ça, c'est dans la cour la caillou. Nèg yo gen la cour kounya la gros la cour côté tout camion yo al stocke gaz. Et puis yo gen rendez-vous 2-3 heures 4 heures du matin. Pour un groupe de monde, vin prendre gaz ça par quantité et puis al vendre dans marché noir. Qui est-ce qui fait? Et pas malheureux, malheureuse, non? Ou pas comprendre? C'est pas malheureux, malheureuse. Qui malheureux la cache ton camion gaz? Ou ka dim? Qui malheureux jodi là? Est-ce qu'on comprend? Maintenant, soyez là. L'obtenez, mesdames, messieurs, type d'action que ça va poser chaque jour. Je fais exprès même. Parce que bataille a mené. Bataille a se contre ou même lié. Ou pas de ralon ouf du tout. Ou pas de bon tical espoir du tout sous visage ou. Nèg yo pre question gaz la. Yo politise. Tout bagay politise ici en Haïti. Quel que soit soit ta man, nèg yo politise. Et c'est ça que fait moi même. Toujours ap di. Bataille pour mener. Sou pas identifié vrai ennemi ou. Vrai moun ki meto nan soye la, wap toujou la dan. Donc la famille Vob, moun sa yo, yo arrange yo, yo entan yo avec l'État. Avec l'État sousou, l'État koup yon. Parce que, moun souye nou musique Mano Chalma li ti, l'État, ou encore la bourgeoisie gen l'État pou l'voye, al fè répression, al fè descendre des lieux. Mais sou ap gade kfèd vwe. L'autre de gen manifestation, l'ouè la police, ap débarquer dans manifestation ap bay moun bal ap bay moun gaz et l'état voyel et c'est bourgeoisie même qui passe l'état l'ordre c'est l'état qui doit diriger bourgeoisie encore c'est l'état qui doit contrôler toute bagaille dans pays mais non l'état pas contrôler toute bagaille vrai l'état pays pas qui contrôle toute bagaille vraiment l'autre des nèg yo prend gaz là y a le vendre ni aux enchères. Il y a plusieurs autorités là. Ou pas qu'on ait plusieurs policiers là qui ont pompe gaz. Bon, il n'y a pas que ça. Ou pas attendre ISO qui ont pompe gasoline. Ou pas attendre ISO. Il a dit ISO qui ont pompe gasoline. Bon, pas bon, fini. Ou pas fini. Il a dit monsieur qui ont pompe gasoline. Qui est-ce qui trace plan pour lui? Qui est-ce qui travaille pour lui? Qui est-ce qui pote gaz pour lui? Assurément, yo connaissez ISO. Mais yo quitte tout bagay passé. Est-ce qu'on comprend? Dans qui réalité yon dans le pays? L'État pa gen contrôle gaz. Moi même yon nan bagay moun kwè pour l'État ta fè. Alors que l'autre moun qui fait proposition pour l'État ta nationalise tout pompe. Mais moi même, moi mande, qui sa ki empêche? Takou, puisque nous nou crise. Ou ap d'accord avec situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Qui ça qui empêche dans moment ça là puisque gon crise gaz? Qui ça qui empêche l'état prend disposition pour dire bien OK, c'est lui même qui va faire distribution gaz dans pompe yo. Mba konn si vous comprenez. C'est l'état qui achète gaz là qui vend nèg yo, li pas ça?
Même si nous ne pouvons pas nationaliser, même si nous ne pouvons pas l'État pour nationaliser la question pompe, pas de problème. Mais kounya, l'État a dit, ok, ma responsabilité moi-même. Je vais faire distribution gaz dans pompe. De sorte que, pour nous avoir contrôle que toute pompe gagne gaz. Vous comprenez? Ça sont simples mesures liées. Ce bagage très simple lié. L'État a bien contrôlé lui. L'État a bien contrôlé combien de pompes actuellement qui gagne gaz. Pas qui m'a été dérangé comme ça. Ou actuellement là, je vais un bateau gaz qui là. Cap bay gaz. Pas inquiète. Il va même faire 2 semaines. Vous avez ça? Il va faire 2 semaines ou après qu'il t'entende, gon rate. Il y a un problème. Gon problème majeur dans bagay ça. Et c'est bagay ça qui fait, je dis là, nous plonger dans la situation là. Tellement de justice qui pas fonctionner. Tellement, mesdames, messieurs, nous avons une série d'autorités d'ailleurs qui a posé une série d'actions malhonnêtes. Ils ont participé à l'assassinat du président et ils ont accédé au pouvoir aujourd'hui. Nous, tous, nous, dans quel niveau, ils ont géré un pays. Quand nous retournons dans la même spirale, pile manifestation chaque jour, au cap là, il y a une grosse manifestation. Si vous depuis lundi, c'est une grosse manifestation qui a fait. Moun mouri, au cap là, zone aviation. Gen yon dame pendant l'absot travail. Li recevoun bal li mouri. Et bien selon toute information, c'est la police qui tire sous li. On capte pren la rue, mesdames, messieurs, pour continuer à dénoncer mauvaise action. Gouvernement ça a fait. Kote la vie chère, insécurité, aptaye banda, monte sous tête yo. Moi invite à suivre comment ça te yon cap haïtien. Comme une population capoise là, il t'a manifesté, il t'a dénoncé la vie chère, la misère, ingérence. Il y a de plusieurs milliers, mesdames, messieurs, qui te prennent la ouya. Moi, invité à suivre. Comment ambiance l'anté. Ça qu'a fait là. Des monde qui estime à ça c'est blague. C'est plusieurs milliers moun nous t'es dans la rue là. Nèg pas toi presque faire mouvement sous blague yo pour qui pour. Nèg pas toi presque faire mouvement là yo. Gap pile yo c'est des frustrés, c'est pas sûr pas joine. Mais ouais mouvement qu'a fait en provision. Prend au sérieux. Petit goave actuellement là moun yo dit au même yo déterminé. Moun petit goave dit au même tout notre Ariel pas bay talon. Yo pa kite la ou ya non. Mais kou bagay m'a toujours dit nous. Oui Ariel la pas bon. Ariel pas dans avantage nous pas dans intérêt nous depuis l'ol monte. Mais ou connaît sur notre forme politique pour nous gagner. Parce que chaque nèg qui monte là, depuis pas un projet politique, c'est même résultat ça ou cap toujours gagner. Donc, on toujours inscrit ou non démarche pour dire qu'il faut aller. Parce que, qui garantit ou gagne après Ariel, nèg qui pral vin là, on peut pas faire même manifestation contre lui encore. Vous comprenez ça? C'est forme politique qui pour nous changer. C'est projet politique nous. Parce que, l'on pays qui pas chita sur aucun projet politique, aucune base, on toujours gagne ça comme résultat. C'est ça qu'on peut toujours gagner. Ariel Henry, li peut-être pral faire même Jacques tout l'autre moun yo. Même j'ai l'autre moun avant yo te fait. Li tant de manifestation c'est vrai. D'ailleurs, genek qui te dit le manifestation a fait passer prendre. Donc pour montrer ou. Ça veut dire tellement vous voulez passer dans tête, tellement vous dit à cause manifestation fait là c'est ton gain. C'est tout gain pour perdu, on va continuer perdre du temps.
Ça va garder. Ariel a fait même j'ai avec tout l'autre monde ça yo. Les Chita, les bien posé, manifestation faite c'est vrai, tout ça cap différent les mêmes. Chita sous l'Oriel. Ça pas bridique ni même. Ça pas déranger du tout. Quand c'était moun met mourir dans manifestation, ça pas garder. Il est au pouvoir, il contrôle le pouvoir. Ou a gagné un cadil non? Pouvoir le rete pour lui. Vous comprenez ça? Et puis, population li même, ça qui passe, li continue à couper, li continue à faire face avec toutes sortes de difficultés. Li continue à plonger dans la vie chez la misère. Problème yon toujours été entier devant là. Et c'est bagay ça qui fait, Haïtien, li oblige continue à prendre humiliation la caille blanc. République Dominicaine, dans l'espace 7 mois, et 57 000 Haïtiens yon pimpé tourné Haïti. Tenez bien ça, Mme Doulari. 57 000 Haïtiens République Dominicaine expulsés dans l'espace 7 mois seulement. Oui? Dans 7 derniers mois, ça y oui? Est. Ouais, kaou. Ouais, dans qui soit prend. Ouais, dans qui soit tombé. 57 000. Et autant de gens autorité. Et c'est ça qui est plus dur, c'est ça qui est plus criant. Ou t'as donné autorité, ou t'as donné un groupe de monde, y a pensé pour vous, ou t'as donné un groupe de monde, y a travaillé en faveur de l'État. Ou a payé yo, grassement. Y a un gros l'argent dans yo. L'argent taxou, tout en bas à goyo. Et, doit yo trempé. Dans la corruption. Doit yon trempe dans tout sac pas bon dans le pays. Dans le jour passé, ULCC sorti un rapport. Un rapport d'enquête. On va être gros babine. On va une gros autorité. On va ancien directeur général. Nèg qui a grande influence. Non, nèg ça aussi cité à fond. L'ancien directeur général de la police. Ancien directeur Paul Afito. Et bah tu quoi non? Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Jacques Lafontaine, monsieur dit li transférer dossier ça yo dans cabinet d'instruction parce que ULCC li te voye dossier ça yo by parquet pour parquet lui-même li te fait suivi, ça veut dire pour arrêter, pour marrer malandré ça yo. Eh ben Jacques Lafontaine dans cadre de conférence de presse li bay mardi 30 août 2022 al fait qu'on est li transférer dossier ça yo dans cabinet d'instruction pour suite légale yo. Et puis il dit dans le cadre du dossier de Léon Charles, bon il dit pour qu'on gagne provision assez parce que pas oublier Léon Charles actuellement là il c'est ambassadeur dans OEA. Nous invitons à suivre Jacques Lafontaine qui t'a porté certaines précisions mesdames messieurs dans cadre dossier ça. ULCC par une remise symbolique de ce dossier qui était organisé dans le local li, à Paco, et que nous recevons officiellement hier matin vers les 11h, et sous base déferment ça que l'I fait, parce que la loi dit ULCC, après le fait une enquête li, à investigation li, comme OPJ, et remplissant la fonction de gendarme de la fonction publique, li tenu pour déférer dossier à la justice. Et maintenant, dossier, il y a deux catégories de dossiers. D'abord, c'est un dossier qui concernait FDI et un autre dossier qui concernait M. Léon Charles, qui lui-même était rempli fonction de directeur général de la police nationale dans l'époque où on est. Et bon, l'autre dossier qui concernait la gestion de Madame Margaret Fortuné, qui était remplie fonction de directeur général de loterie l'État haïtien. Et l'autre dossier gagné, ces dossiers, yo même, alors dossier ça yo, n'a fait carrément saisine cabinet d'instruction. Et que l'autre dossier gagné, c'est le dossier qui concernait déclaration patrimoine
sous un ensemble de députés et de sénateurs qui pas fait yo malgré invitation que USC s'était lancé à eux-mêmes. Donc, et aussi certains maires de juridiction côté m'a dirigé. Donc, l'ensemble de ces dossiers, je pourrais aller au même dans le tribunal correctionnel. Donc, maintenant, moi annoncer publiquement, jodia, de la loi créant le CSPJ, notamment ça qui concerne les magistratures, là, la loi dit le commissaire du gouvernement, il va rendre public, et, y compris par des déclarations dans les médias, et toute poursuite pénale la dirigée contre quel que soit le monde qui est épinglé. La loi fait une obligation pour moi déférer dossier ça par devant le cabinet d'instruction, et c'est ça qui a annoncé là depuis hier. Cette forme remplie et que matin est venu pour m'annoncer au grand public, à journalistes au clavem, que dossier ça nous voyons dans le cabinet d'instruction. Donc maintenant, sous réserve d'autres actions qui sont capables menées par le parquet, notamment des mesures conservatoires, et que nous voyons dossier ça nous voyons signal ça baille des mounes et qui concernaient par des questions de corruption et sous déclaration de patrimoine. Mais m'a précisé pour nous, en ce qui a trait au cas de M. Léon Charles, c'est un dossier qui est en suspens parce que s'il n'a pas gagné, c'est un dossier communiqué nous à titre de notification et que la donne ULCC mandé un audit sous gestion directeur général. Là. Donc à présent, concernant ce dossier, eh bien, nous mettons en suspens en attendant que tu as gagné arrêt de la Cour supérieure des comptes qui vient de nous. Autorisation qui va nous prérogative pour ne pas poursuivre. Maintenant, nous annoncer, nous faire précision ça, parce que nous sommes dans tout, et nous avons l'impression toute population qu'on est, c'est ton dossier, nous poursuivre même avec ça, mais là, nous mettons en suspens, parce que nous communiquons un dossier ça à titre, et que sur ce dossier, pour rien matière pour nous poursuivre M. Léon Charles. Nous garantissons, nous avons besoin de connaître. Qui cause M. Fekone, comme quoi, comme si l'État n'a pas de provision légale, ou bien pourquoi il y a moyen. Nous ne pouvons pas ça, non? L'essentiel, une série de malandrés, une série de chats, une série de mimi-miaux, doit être long, qui tape dirigé l'argent de l'État, qui tape gagoté l'argent de l'État, qui tape boîte dans le meilleur, tape dirigé, yo jouen yo dans la corruption. Eh bien, que la justice, que l'État paye, me dégage yo, yo met moun sa yo en bas code et fait yo payer. Pour crime yo fait et faire moun sa yo payer, mesdames, messieurs. C'est ça le doyé. Li lo li temps pour l'État. Pour l'État dégager le coup, mettre Jacques, mettre action publique en mouvement contre moun sa yo. Parce que je dis là, en ouais, situation misère, en ouais, toute difficulté population fait face. Vous comprenez ça? Ou à toute catastrophe, ou à tout problème, population sa gagne aujourd'hui à la. Li pa gen gaz, l'État dit pa gen moyen pour continuer à subventionner gaz. Alors que go bon moun qui tape gérer l'argent l'État, l'État te fait confiance pour gérer l'argent et pour moun sa yo, ou te de quantité l'argent moun sa yo gagote. Non, c'est pour moun sa yo à répondre. Parce que c'est manger ou retirer dans bouche population. Et ça que moi-même toujours abdi. Peuple sa, quel que soit moun qui gagote, qui mange l'argent mal. Faut qu'on paye le quand même. Parce que c'est un peuple sans défense. Le peuple n'a pas gagné l'État. Il n'y a pas aucun monde qui peut défendre ni. Et la nature qui peut défendre le peuple là. Go bon monde, par rapport avec acquittance politique, yo, adaptation yo avec conseil de monde. Collège moun sa ou collège avec conseil de monde. Gen moun la m'garanti ou zanmim. Ou a saisi tande. La justice pas jam ka met men nan pat ka savyo, non? C'est gros babinyo et gros baon yo. C'est la nature qui fait travail li. Et c'est ça que fait moi m'rete quoi puis devant des moun quand même n'a joine mesdames messieurs qui gagoté qui pillé l'État qui fini qui déchet pillé l'État gagne nan yo y a pour venir répondre question la justice quand même parce que on le n'a bien pays et le ça mesdames messieurs wap saisi tande ti Jean ti Pierre ti Jacques ti Paul ti André ti Yuri wap saisi tande combien moun là
qui te participé dans gagoter, dans dilapider l'argent de l'État. Et là, sont tellement content, ou qu'a fait crise. Mais mettez tête sous épaule. Posez son. Prends temps, prends son. Pour poser action correctement. Pour qu'il y ait justice en bas moun sa yo. Posez son. La nature a agi. Bye bye tout le monde. N'ap kapi la. Nous avons ensemble avec vous. Ça avec un pile plaisir de te présenter. Oui, monsieur, ça, j'en ai toujours fait chaque jour. Chaque fois, possibilité à lui-même lui offrir, nous toujours présenter aux émissions d'analyse, commentaires. J'en ai toujours fait ça. Non pas M. Esdras Fizeme, Chanel là, c'est Haïti Réflexion. Nous avons ensemble avec vous. Ou même c'est pour la première fois où vous avez écouté nous. Moi, invite au Kounia la même. Activez la cloche notification qui donc abonné pour qu'à toujours être connecté à toute actualité, yo, tout ça qui a passé. Et puis, pas oublier, partager, liker, commenter pour plus de monde qui a une possibilité pour être connecté à tout ça qui a passé, à toute actualité. Bye bye tout le monde, restez positif. N'ap croisé un peu plus tard pour une autre vidéo.